Bonjour les amis, c'est avec joie que je vous annonce un nouveau module portail du club communication sur le thème Instaurer le royaume de la conscience. Veux-tu avoir raison ou être libre? Grande question. Moi je dois vous dire, je me suis pris un sacré choc cet été en retravaillant pas mal de choses et en découvrant que après tout le chemin spirituel que j'ai fait depuis 40 ans et 20 ans de CNV, j'étais effectivement sorti des modes polarisés bien mal, mais j'étais pas sorti de vouloir avoir raison, hein. En fait, je croyais à certains moments que quand j'étais à certains endroits, en conscience, je m'identifiais à la conscience et je me disais que la conscience avait raison. Et puis il m'a fallu un petit électrochoc avec une facilitatrice d'Access Consciousness que j'aime beaucoup, qui s'appelle Shannon O'Hara, qui dans une séance privée m'a dit, mais Issa, tu sais, même Dieu n'a pas raison. Je suis pardon? Elle me dit, ben non, mais qu'est-ce qu'il fait alors? Elle me dit, choisis, fais des choix. Il fait des choix et crée des possibles. Mais avoir raison, ça demande toujours que tu aies un point de vue fixe, figé, sur ce qui est juste, faux, bien, mal. Et je me suis rendu compte que j'étais pas sorti de ça. Or, mon constat, c'est quoi? C'est que tant que, en tant qu'humain, on ne sort pas de ce piège-là, de cette contraction-là, de avoir tort, avoir raison, c'est juste, c'est faux, etc., tant qu'on reste dans ces références absolues, au lieu de revenir à des références relatives, on peut bien sûr avoir des évaluations au quotidien, évaluer, ben ouais, ça je préfère ça pour moi, ça marche mieux pour moi, ça je préfère, là ça fait partie de mes valeurs. On peut bien sûr avoir des préférences comme ça, puis évaluer par rapport à soi ce qu'on préfère pour faire des choix. Donc ça crée. Mais par contre, quand tu mets ces références à l'extérieur de toi, que tu en fais des références absolues, ben ça devient une sorte de morale dans laquelle il y a le bien, le mal, le juste, le faux. Puis après, tu vas passer ta vie à essayer d'avoir raison. Et puis si l'autre il n'est pas d'accord avec toi, que tu trouves qu'il a tort, ben tu vas lui faire la guerre. Et c'est ce qu'on voit dans le monde en ce moment. Tu sais sans doute que tout ce qui se passe dans le monde, c'est une manifestation, une expression de tout ce qui n'est pas réglé en nous. Alors qu'est-ce qui nous arrive là? C'est quoi cette accélération là? Depuis bientôt une décennie, on passe d'attentats en pandémie et maintenant en guerre. Moi ça m'interroge, je me dis, hey, c'est quoi le job qui n'a pas été fait à l'intérieur? Et qu'est-ce qui fait que les êtres de conscience de cette planète, et ils sont des millions et des millions, qu'est-ce qui fait qu'ils permettent que ce qui régit ce monde, ça ne soit pas la conscience? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir comme ça aussi impuissant à dire, oh mon Dieu, c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Bon, on va leur envoyer de l'énergie, on va prier pour eux, on va envoyer de l'amour. Mais c'est pas ça qui va régler le truc, les amis. Là, on arrive toujours après la bataille, c'est le cas de le dire malheureusement, pour essayer de réparer ce que fait l'inconscient sur cette planète. Et là, il y a un moment, bah, c'est le moment de mener un bon combat, quoi, de mener un combat qui soit au service de la conscience. Et où est-ce qu'on le mène? Où est le terrain de cette bataille-là? Évidemment, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ça tombe bien. On est juste là aujourd'hui. Je vous fais cette vidéo. C'est mercredi des cendres. Dans ma lignée de chevalerie spirituelle, c'est le jour où on commence un carême initiatique dans lequel pendant 40 jours, on va à l'intérieur travailler sur soi. Alors l'année passée, j'avais donné un live sur ce thème où j'avais donné certaines pratiques pendant les 40 jours. Là, c'est quelque chose de complètement différent que j'ai fait hier soir dans ce portail live, dont le thème est Instaurer le royaume de la conscience. C'est vraiment aller spécifiquement travailler dans le dur, quoi, dans le noyau dur de notre être, là où il y a toute la densification de nos jugements, des endroits où on croit que c'est ça qui est juste et où en réalité, cet endroit où on croit avoir raison ou tort, hein, parce que des fois on se donne tort, c'est là où se trouve la demeure d'un principe qui, depuis la nuit des temps, est nommé le Shatan. Et qui peut des fois se convertir dans un principe qu'on appelle le diabolon, ce qui divise. Alors ce n'est pas des entités qui existent comme ça et dont il faut avoir peur, ce sont des principes. Ces principes, ils ont une fonction. Je vous en parle longuement pendant ce module, et surtout on va apprendre, mais comment on fait cesser cette division en nous. Parce que tant qu'elle va exister en nous, cette division, elle va exister et se manifester dans le monde, et continuer surtout à régir le monde. Donc plutôt que de continuer à nous sentir impuissants, les amis, face à l'inconscience qui régit ce monde, c'est le temps d'aller mener un bon combat à l'intérieur de soi, d'aller s'affronter une bonne fois, tout comme Yeshua l'a fait à l'époque, dit-on, pendant 40 jours au désert, où il a été affronté ce Shatan, et il l'a vaincu. Et c'est Jésus qui nous dit, soyez en paix, car j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai vaincu le monde? Ben, ça veut dire, j'ai été faire le travail, teshuva, j'ai fait retour, je suis revenu en moi, et j'ai été rencontrer le vérificateur, hein, puisque le shatan, c'est un principe de vérification qui vient nous vérifier à un moment donné pour nous aider
à voir ce que nous sommes en réalité en tant qu'être infini. Mais si on lui donne le pouvoir, il se transforme dans le diabolon, le principe qui divise, et là, il devient le maître du monde. Donc, à un moment donné, on va aller à l'intérieur et on va l'affronter. On va l'affronter et on va gagner. Sauf qu'à l'heure actuelle, je vois que beaucoup d'entre nous, on ne se dirige pas vers là. On est tellement dans quelque chose qui veut être dans une ouverture du cœur qu'on ne comprend pas qu'à un moment donné, il y a un combat sacré, spirituel à mener à l'intérieur de soi. On a tellement été marqué par des croisades et autres combats à l'extérieur qui ont fait du mal à des êtres que du coup, on a jeté le bébé avec l'eau du bain et le chevalier avec le combat qui tue des autres. Mais là, il n'y a personne à tuer, personne ne va mourir, mais par contre, il y a un combat à gagner et c'est maintenant. C'est maintenant que c'est le temps d'aller le faire. Et donc, dans ce module portail, je vous propose vraiment d'aller explorer ces différents principes parce que quand on ne comprend pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants, des fois, on ne sait pas où mettre notre énergie. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est que le principe du Shatan, qu'est-ce que c'est que le principe du diable, qu'est-ce que c'est que le principe de l'épée et comment on peut l'utiliser au service de la conscience. Et puis, on va utiliser différents outils de conscience pendant tout ce module portail, incluant des clearings d'access consciousness, qui nous permettent vraiment de libérer beaucoup de choses et de faire de nouveaux choix. Et puis on va apprendre comment s'expanser aussi de telle manière que ce qui était dense en nous et ce qui nous contractait n'a plus le pouvoir. Bref, un module pour reprendre la souveraineté intérieure et instaurer ce royaume de la conscience dans le monde. J'espère de tout cœur que ça va être une contribution pour toutes celles et ceux qui actuellement désespèrent sur cette planète que quelque chose change. Vous verrez qu'il y a beaucoup de matériaux, c'est un module qui est riche. Vous avez une vidéo de 2h18 son audio et puis des documents et j'ai pris soin de faire un document de synthèse des pratiques pour que vous ayez vraiment quelque chose qui vous permette de pouvoir bosser sur vous au quotidien. J'espère qu'on sera très nombreux à se lancer dans cette pratique-là maintenant et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.